Attends, par là. Alors ça, c'est incroyable. Ah, c'est un bon début. Il n'y a plus qu'à espérer que le reste n'est pas enseveli sous des siècles de caillasse et de poussière. Un peu de plus, je vais te demander. Sam, là-haut. Allez, j'arrive. Ah, y a personne. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Réparer le toit ne serait pas de trop. Ce serait bien s'il pouvait pas nous tomber sur la tête. Sam, par ici. Ok, c'est bon. Ah non, c'est pas par ici. Hé, Nathan, je crois que j'ai trouvé un passage. Par là. Oh, cette poussière. Ramper, c'est un super exercice pour les quadriceps. Oh, ça fait du bien de pouvoir s'étirer. Ouais, tu l'as dit. Regarde, il y a une sortie, là. Ah, oh, non, c'est trop haut. Même en faisant la courte échelle. Trouver un truc sur lequel on peut monter. Cette caisse me donne une idée. On y va. Attention ! Ok, on progresse là. Bordel de merde. Nathan, t'as quelque chose? Ouais, peut-être. Je crois que tu devrais venir voir ça. Une maison, des rues très larges, une sorte de zone industrielle à l'abandon. Hey, merci pour cette info, Nathan. Allez, qu'est-ce que tu vois? Tu veux juste me l'entendre dire, c'est ça? Mais oui, je veux vraiment te l'entendre dire. Ouais. Libertalia. Oh
Libertalia, la grande utopie des pirates, la ville perdue légendaire, découverte plus de 300 ans plus tard par l'illustre Samuel Drake. Et son idiot de jeune frère, légèrement moins charmant, qui lui collait au train depuis la nuit des temps. Tu sais, j'ai toujours su qu'on ferait quelque chose de toi. Je sais pas si tu sais, mais j'ai déjà fait ça avant. Laisse-moi profiter de l'instant. Alors, par où on commence? Qu'est-ce que tu dirais de ce bâtiment là-bas? Non, tu parles de celui avec les tours de garde. C'est ça. Justement, on devrait aller voir ce qu'elle gardait. Allez, c'est parti. Oh, wow. Oh, ça me laisse sans voix. Bordel de merde, Nathan! C'est ça que t'appelles sans voix? Tu crois qu'il leur a fallu combien de temps pour construire tout ça? Des années, des décennies même. Comment est-ce qu'ils ont réussi à garder ça secret pendant si longtemps? C'est juste que cet endroit, sans parler du trésor, c'est quand même une sacrée découverte. Seulement Alcazar voyait ça comme ça. Tu peux pas te contenter d'admirer, non? C'est trop demandé. J'admire. Mais on a un objectif, t'as pas oublié? Ah ça, je vois pas comment je pourrais oublier. C'est tout ce que je voulais dire. C'est noté. Hey Sam, vise un peu ça. C'est une forge. Il devait y fabriquer des coutelas. En garde, marin d'eau douce! Cool. Je faisais un pirate. Ouais, j'avais compris. Je voulais juste te faire... Je sais. Tu ferais un très mauvais pirate. Tu penses qu'ils en vendaient à d'autres colonies? Si c'était le cas, ils devaient le faire en dehors de l'île. Autrement, on aurait entendu parler de cet endroit. T'as raison. Capitaine Avery, je me demandais quand on allait vous voir. Regarde ça, il y a des familles. C'est bizarre. Où est-ce qu'ils ont bien pu tous disparaître? On dirait qu'ils ont été enlevés, ou un truc du genre. Même dans une ville de pirates, il faut bien un endroit où enfermer la racaille.
Qui est-ce que les pirates pouvaient bien mettre en prison? C'est carrément hypocrite. Une ville de pirates avec une prison. Bah, tu sais, il y a des cons partout, hein. Même chez les pirates. Par ici, suis-moi. Je dirais qu'il y a un tunnel par là. Hé, hey Sam, viens voir. J'ai trouvé quelque chose. Suite. Ça devait être une planque ou un truc du genre. Peut-être, mais de qui vous laisse cacher? De même? Regarde ça. On dirait que c'est un plan du quartier commercial. Ouais, et... Boum, voilà notre trésor, juste là. Tu vois, elle est là, la tour. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de préparer? Attends, viens voir par ici. C'est quoi ce symbole? J'en ai vu quelques-uns quand je venais te retrouver. Alors qui peut bien marquer ces endroits? Est-ce que c'est une sorte de sceau? C'est vrai, il y avait peut-être des problèmes au paradis. Une société secrète, ou des rebelles.